Il y a quelques semaines, j'étais à Montréal pour parler de ce qu'on fait dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans notre budget, on investit dans nos chercheurs et nos innovateurs pour se donner les moyens d'être des leaders dans ces technologies. Parce que pour bâtir une économie forte et prospère pour les générations à venir, ça prend des bons emplois payants et un écosystème solide dans les secteurs de la technologie qui vont définir notre avenir. Et c'est exactement pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Le gouvernement fédéral va investir pour soutenir les projets d'IBM et C2MI afin de produire plus de semi-conducteurs ici en Estrie. Today we're announcing we'll invest to support projects from IBM Canada and C2MI to create more semiconductors and unlock economic growth. The funding will support research into groundbreaking quantum technologies and add new manufacturing capacity and capabilities to IBM Canada's semiconductor packaging facility here in Bromont. L'annonce d'aujourd'hui est importante pour l'économie du Québec. Les projets vont créer plus que 280 bons emplois et ouvrir jusqu'à 240 stages en technologie quantique. En plus d'emplois directs, c'est tout un écosystème complet qui est bonifié et protégé. Je pense aux chercheurs et étudiants dans le coin de chez Elisabeth à l'Université de Sherbrooke. Pour eux, C2MI est un point de rencontre entre la recherche universitaire et industrielle pour accélérer la commercialisation des produits électroniques. En plus de ça, l'annonce d'aujourd'hui a une importance stratégique. Ces micropuces sont à la base de tout. Il y en a dans nos ordinateurs, nos téléphones, notre équipement médical. Quand on parle de packaging aussi, faut savoir, ce n'est pas du shrink wrap ou trop de quelque chose qu'on vend en épicerie. La façon qu'on met ensemble les micropuces, la disposition, la façon qu'on les organise est essentielle pour le bon fonctionnement, surtout à des technologies avancées. Et la recherche et le développement qui se fait ici est un élément essentiel de notre présent et de notre avenir numérique et technologique à travers le monde. Alors, il faut vraiment savoir qu'ici à Bromont, on est des leaders dans le monde, ce qui est en train de se faire par rapport aux semi-conducteurs. C'est essentiel de renforcer ces chaînes d'approvisionnement pour les semi-conducteurs ici au pays et dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, d'avoir une source fiable comme Bromont, comme le Canada, au cœur de la ligne d'approvisionnement, c'est essentiel pour nos alliés dans un monde de plus en plus incertain. It is essential, therefore, that we grow and strengthen our domestic production of the semiconductor products that businesses and consumers need. We're positioning Canada as a leader in semiconductor and quantum research. In a world that's changing fast and that's increasingly uncertain and even unstable, this work is more important than ever. It's important that Canadians be at the center of developing these technologies, but it's important for the world, particularly for our allies, that responsible, reliable partners like Canada, as we are in terms of energy, as we are in terms of critical minerals, and as we are in advanced technologies from semiconductors to quantum computing to AI to robotics, these are things that the world is increasingly looking to reliable, strong, responsible partners like Canada to be at the heart of it. And for 50 years, IBM has recognized how important Canada is as a core part of their supply lines and of the future they continue to build and define for all of us around the world. Dans les dernières semaines, dans le cadre de notre budget, j'ai beaucoup parlé de ce qu'on fait pour s'assurer que chaque génération, particulièrement les milléniaux et la génération Z, puisse avoir une chance équitable de réussir. Investir dans les nouvelles technologies pour créer des emplois et de la prospérité ici au Québec, ça fait partie de notre plan. Et dans les prochaines années, on a aussi un plan pour construire près de 4 millions de logements pour rendre les plus abordables pour les jeunes familles. On investit dans les garderies, dans l'alimentation scolaire et les soins dentaires. Because we know that confident countries invest in themselves, invest in their people.
That's the choice this country is making. That's the choice this government is making, whether it's semiconductor research or early childhood educators. In our budget, we're investing in research supports, in scientific facilities, in AI here in Quebec and right across the country. We're doing this to boost productivity and innovation, and it's all part of our plan to create good jobs, grow the economy, strengthen our supply chains, and build a stronger future for everyone.